Un truc d'une demi-heure, mais voilà, ils sont prêts, ils sont armés, ils sont comme vous, nos amis, ils ont envie de s'amuser, donc un décompte, vous m'aidez s'il vous plaît, 5, 4, 3, 1, c'est pas dans le fou. C'est le cœur de Chambéry parce que c'est l'ancien quartier où tout restait vivant, même la nuit. Le faubourg, ça brassait beaucoup et c'est un quartier vraiment vivant. Et cosmopolite, ça veut dire qu'il y a un peu de tout dans le faubourg. Et bon, il est en train de passer, c'est passé piéton et c'est en train de passer par des changements. Mais le faubourg est toujours le faubourg. Moi j'aime bien, et il y a beaucoup de gens qui aiment bien le faubourg, c'est l'ancien Chambéry, quoi. Ça fait déjà un mois, et c'est des tableaux couleurs africaines. Parce que tu vas souvent au Burkina Faso, hein, je veux dire. Voilà, je vais souvent au Burkina, et quand je reviens, je suis encore avec les couleurs africaines. Donc ça ressort sur les peintures. Mais je ne fais pas que ça. Mais c'est quand même principalement mes peintures. Alors le coin de la roue, voilà, un an d'activité, c'est exceptionnel. On est arrivé à plus de 900 adhérents en un an avec des activités vraiment tous les jours, des repas tous les mardis midi qui sont maintenus et qui sont en partenariat avec des producteurs locaux et un marché aussi du jeudi qui est régulier. Et puis vraiment des initiatives qui sont proposées en permanence parce que tous les vendredis, on a pu assurer des ouvertures et des moments conviviaux, mais aussi informatifs sur différents sujets. Oui, également, au moins une fois par mois, on proposait des concerts pour vraiment insister sur le côté festif, que les alternatives ne sont pas forcément ternes, mais justement qu'elles sont source d'initiatives et de plaisir au quotidien. Alors,
Antoine Volpi, vous êtes apiculteur et... Apiculteur sur la commune de Lac-Doge. Donc vous faites partie d'un syndicat, hein? Oui, syndicat du rucher des Allobroges, qui représente 2400 apiculteurs sur la Savoie. Voilà. Comment elles vont, nos amis les abeilles? Bon, elles ont eu une période difficile au mois de mai, avec des températures très froides, où il a fallu les surveiller, parce qu'elles étaient limite à manquer de nourriture. Bon, là, le beau temps a l'air de revenir, elles vont reprendre des forces, mais on a loupé les premières mielées, notamment la mielée sur l'acacia. Chose que c'est une grosse partie de production qu'on a perdue. Mais bon, on va se rattraper sur les fleurs d'été, il y a le tilleul qui va bientôt fleurir, le châtaignier, et puis toutes les fleurs de montagne. Donc on a bon espoir qu'on va se rattraper sur la suite. Et donc il faut dire, hein, que d'abord les abeilles elles subissent des choses terribles, hein, c'est des insecticides aussi, mais aussi des exportations terribles aussi, hein, de miel d'importation qui sont pas forcément de très bonne qualité, voire de la malfaçon aussi. On arrive très facilement maintenant avec les techniques d'aujourd'hui à faire du miel sans abeilles. Donc c'est quand même une aberration pour nous qui défendons un miel de producteur, un miel de qualité. Comment on s'en sort, nous, consommateurs, pour choisir un miel, du coup? Je dirais que le plus simple, c'est de rencontrer un apiculteur, un gars qui... ou une apicultrice, parce que ça existe aussi. Et voilà, essayer que les gens essayent de trouver proche de chez eux un apiculteur, et puis qu'ils aillent acheter directement chez lui son miel. Il y a juste une boutique qui vient de s'ouvrir là, on va dire que c'est aujourd'hui ou hier, hein. Tout à fait, donc bonjour. Nous sommes une entreprise basée à Cognin, puisque nous avons un petit atelier confidentiel à Cognin. Nous nous appelons Intemporel. Nous faisons du mobilier personnalisé pour particuliers et professionnels. Et nous travaillons soit la création, soit la rénovation de meubles. Donc nous proposons des meubles que nous terminons jusqu'au bout pour personnaliser jusqu'au bout au souhait des gens. Et notre marque de fabrique est une finition couture. D'accord. Et donc vous avez vos fournisseurs dans le département, hein? Alors en fait, nous créons nos propres modèles, et lorsque nous devons travailler en partenariat, c'est toujours avec des artisans du coin, locaux. La fabrication est française, la fabrication est made in Savoie, et nous travaillons avec nos partenaires ici. Yasmina, vous êtes avec votre grand-mère et votre maman, vous tenez l'épicerie roumaine du Faubourg Montmélian. Vous pouvez nous rappeler depuis quand vous êtes ouverte? Bientôt 3 ans. Et qu'est-ce que vous proposez? De la charcuterie, du fromage, ce qui est alimentaire. Donc typiquement roumain? Voilà. D'accord. Donc ça c'est nouveau, hein, dans le Faubourg, ça n'existait pas avant. Hein. Non, c'est le premier de toute la Savoie. D'accord. Et comment c'est reçu? Les gens, ils viennent vous voir, ils sont curieux? Oui, il y a des gens, ils rentrent, ils regardent. La prochaine fois, ils achètent. On a pas mal de visites. D'accord. Et vous êtes d'où, de Roumanie? De Timișoara. Ah, d'accord. Bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.
flamme du vice, de l'égoïsme sans cesse, de l'hypocrisie diplomatique qui s'en balance du peuple tant que leur poche en pleine. C'est la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est comme toujours. Ils nous emprisonnent dans ce four, on nous vend des rêves de paix pour mieux se foutre de nous. Ouais, pour mieux se foutre de nous. Normal qu'on a le seum de la République, de ses foutus en temps plan, debout à l'élection devant leur pupitre avec leurs discours de tourment. Que des discours de tourment. Alors Virgile et Yannick, on vous trouve au bout du faubourg, parce qu'au bout du faubourg, il y a la MJC. Alors Virgile, vous êtes le directeur de la MJC, qu'est-ce que vous présentez là justement à cette occasion ? Eh bien on présente les différentes choses qui se passent dans la MJC tout au long de l'année, du type une personne qu'on accueille qui s'appelle Carlos qui fait de la roussière. La roussière c'est un agrès de cirque. Ensuite, on a les jeunes qui font du parcours, qui viennent deux ou trois fois par semaine pour le parcours. C'est un art de déplacement, c'est des acrobaties. Ensuite, on a D7D, un jeune qu'on accueille aussi qui fait des textes de hip-hop. Et puis, on a aussi des jeunes qui présentent un atelier de beatbox, musique assistée par ordinateur, DJ, et qui ont fait des stages pendant les vacances d'avril. Et la dernière chose qui est très importante et qui se passe tout au long de l'année, c'est la peinture de rue. Alors la peinture de rue, c'est un dispositif qu'on coordonne à l'échelle de la ville de Chambéry et qui se déroule au Mabara à la Bissy, au Combe à Chambéry-le-Haut, à Mérande, sur le quartier de Mérande, devant la MJC et au Biolay. Et le but, c'est de faire sortir les arts des bâtiments et de donner l'expression et libérer l'expression et de la créativité de chacun. Eh ben, on est en plein redressement et du coup bah, ça se voit parce qu'on a une augmentation des adhérents de 10% cette année avec plein de nouvelles activités, des créneaux qui se modifient, enfin qui s'élargissent, des nouvelles activités à destination des tout petits. Ce qui manque, moi je pense, sur Chambéry. Du coup, on a essayé de proposer, d'être force de proposition sur les tout-petits, etc., etc. Au niveau financier, ben, on est toujours un peu en délicatesse. La mairie nous a quand même dit qu'elle nous maintenait nos subventions, même si elles ont été en baisse constante depuis 3 ans. Cette année, on nous a assuré qu'elles seraient pérennes. Et puis on a eu aussi, il faut remettre ça aussi au crédit de la municipalité, une enveloppe pour pouvoir justement recruter un directeur, Virgile en l'occurrence, qui nous a amené plein de nouvelles créativités et puis un allant pour la MJC. Ouverture du barthème, on va repartir sur de la programmation aussi du totem. Et du coup on espère voir à nouveau la salle du totem comme un point clé sur la scène de Chambéry.